Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors l'équation précédente montre que la température critique est différente de la température de transition et même certaines valeurs TC inférieures à T0. En effet, la température critique est définie pour R de TC égale 0, susceptibilité infinie. Et alors que pour T égale T0, on a R positif, comme le montre l'équation. Il faudrait donc passer dans la région R0 négatif pour trouver la température critique. Ce qui pose un problème, car l'intégrale dans l'équation précédente n'est pas définie pour des R0 négatifs. Pour contourner cette difficulté, notons que l'équation précédente est en fait le début d'un développement en série de R en puissance de U0. R égale R0 plus A1 U0 plus A2 U0 carré, etc. Donnons une dimension à H bar. Par exemple, celle d'une action. Comme H sur H bar, l'hamiltonien sur H bar, doit être sans dimension, alors Φ0 a pour dimension H bar 1/2 fois L exposant 1 moins D/2. En effet, ddx a une dimension Ld L exposant D et le gradient a une dimension L-1. On montre immédiatement que 0 a une dimension L exposant moins 2 et U0 une dimension H bar moins 1 LD-4. L'analyse dimensionnelle de l'équation qui donne R implique que le terme en H bar carré est proportionnel à U0 carré. Et ce résultat entraîne qu'il est légitime alors de remplacer R0 par R dans l'intégrale. L'erreur commise est de l'ordre de U0 carré, mais de toute façon, on a déjà négligé des termes de cet ordre-là. Donc, on obtient R égale R0 plus l'intégrale 1/2 à U0, pardon, intégrale de ddq sur 2πd, ddq sur 2πd, fois 1 sur q carré plus r. Et cette fois-ci, il n'y a plus de problème de définition de l'intégrale. La température critique est alors donnée par 0 égale R bar 0 fois T, TC moins T0 plus 1/2 U0 intégrale ddq sur 2πd fois 1 sur q carré. Et donc, on a R bar fois TC moins T0, R0 bar fois TC moins T0 égale à moins U0 sur 2 fois 2π exposant D fois SD intégrale de 0 à 1 de Q
exposant D moins 3 DQ. Soit moins U0 SD fois lambda c'est 0 à lambda, pardon, pas 0 à 1, fois lambda exposant D moins 2 sur 2 de pi exposant D fois D moins 3. D moins 2, pardon. Lambda, le paramètre de coupure, bien sûr, et SD, c'est la surface de la sphère à D dimensions. Il faut donc que D soit supérieur à 2 pour que la théorie ait le moindre sens. Sinon, on a un dénominateur nul et il n'y a plus aucun sens à la théorie. On a donc R égale alors, soustrayons l'équation ici de la précédente et on obtient R égale R bar 0 T moins TC moins CK moins CR, pardon, moins CR, ou C, ou R, pardon, égale R bar 0, T moins TC, sur 1 moins, sur 1 plus C. Où C est une constante finie. On voit que la correction d'ordre H bar à la théorie de Landau ne change pas l'exposant critique. Excusez-moi, j'ai brûlé largement les étapes. L'équation, c'est T moins TC moins 1 demi. RU0 fois l'intégrale de DDK sur 2pi D, DDQ pardon, sur 2pi exposant D, fois 1 sur Q carré, fois Q carré plus R. Alors, pour résoudre cette équation, il faut distinguer deux cas, D supérieur à 4 et D inférieur à 4. Alors, pour D supérieur à 4, l'intégrale converge pour Q carré égale 0, même si on a R égale 0. On a donc, et donc là on retrouve ce que je disais, R égale R bar 0 T moins TC moins CR. R égale R bar 0 fois T moins TC sur 1 plus C. Où C est une constante finie. On voit donc que la correction d'ordre H bar à la théorie de Landau ne change pas l'exposant critique. Gamma reste égal à 1 pour T supérieur à 4. Ceci reste vrai, donc c'est vrai aussi pour le champ moyen, et ceci reste vrai pour les corrections d'ordre H bar exposant N. L'approximation de Landau donne correctement les exposants critiques pour D supérieur à 4. Par contre, la température critique, où le coefficient de T moins TC exposant moins 1, etc., sont modifiés, mais ce ne sont pas des quantités universelles.
Dans le cas d inférieur à 4, l'intégrale diverge pour q tendant vers 0. C'est une divergence infrarouge si on pose r égale 0. Elle se comporte en effet comme l'intégrale de dq sur fois q divisé par q exposant 5 moins d. Ce marqueur est en train de flancher. L'intégrale de dq sur q exposant 5 moins d. Et ce sont les grandes longueurs d'onde qui constituent la partie importante pour le comportement critique, puisque ce sont les comportements à longue distance qui se manifestent à travers la transition critique. Et ce sont elles aussi qui provoquent les divergences dans l'intégrale. Alors posons Q égale K racine de R. Dans ce cas-là, l'intégrale s'écrit D cube D divisé par 2 pi D exposant D fois racine de R exposant D divisé par R carré K carré fois K carré plus 1 qui est égal à racine de R exposant D moins 1 fois SD sur 2 pi D fois l'intégrale de 0 à l'infini de K exposant D moins 1 DK divisé par K carré plus 1. Ici, l'intégrale converge à l'infini, et donc on a prolongé l'intégration jusqu'à pour lambda tendant vers l'infini. Et on peut donc écrire la relation ici, la relation ici. On peut donc l'écrire R égale R bar 0 T moins TC moins U0 CR fois R exposant moins epsilon demi en posant epsilon égale 4 moins D. Et la constante C vaut SD sur 2, 2 pi D, 2 fois 2 pi exposant D, fois l'intégrale de 0 à l'infini de K exposant D moins 1, DK sur K carré, carré plus 1. L'équation ici est incompatible avec R proportionnel à T moins TC. Et donc les exposants critiques ne sont pas donnés correctement par la théorie de Landau pour D inférieur à 4, ce qui n'est pas une surprise. À nouveau, on peut trouver l'existence d'un intervalle de température où la théorie de Landau reste valable pour D inférieur à 4, à condition que le terme ici soit petit, c'est-à-dire que U0 c'est R exposant moins epsilon demi soit très petit par rapport à 1.
ou encore que U0, c fois X bar 0 T moins TC exposant T demi moins 2 soit petit par rapport à 1. Ce qui est en accord avec la première déduction du critère de Ginzburg que nous avions trouvé, avec ceci près que ici c'est beaucoup plus précis parce que la constante C peut être calculée, éventuellement numériquement, ce qui permet d'avoir des critères de validité pour différentes situations pratiques. Voilà, nous en avons fini maintenant ici avec la théorie de Landau. Et nous allons enfin atteindre le but de cette partie, qui n'est pas de la physique des particules à proprement parler, qui est de parler de la renormalisation. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons l'étude du groupe de renormalisation pour l'appliquer au phénomène critique. Je vous remercie.